Coucou tout le monde, on va jouer à Ever Oasis aujourd'hui. Du coup, c'est un petit jeu de 3DS que j'aime beaucoup et ça plante. C'est génial. Ok, petit contretemps. On va redémarrer. Ok. C'est bon. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte. Les touches fonctionnent pas.
Je suis en train de chercher où est le... Je vais y arriver. Je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah, c'est bon. Ok. Alors, femme ou homme? Salut Mifa, comment tu vas? Alors tu vas me dire femme ou homme du coup? Je te laisse choisir. Ok. Alors du coup, on lui fait une peau normale, une peau d'extraterrestre. Vas-y, j'ai bien envie de faire vert, moi. Les yeux. Ah, le bleu. Ah, tu voulais violet. Attends. Le violet foncé. Vas-y, je vais prendre le violet foncé. Et les yeux, on lui fait vert, du coup. Ça s'accordera bien. Hop, entrée, un nom. Oula. On lui rentre un nom à la con, on va dire granit. Granit. Allez, hop. Notre histoire se déroule dans un immense désert. Dans ce désert vivaient des êtres appelés Granéens. Comme leur nom l'indique, à leur naissance, les Granéens portaient une graine dans leur cœur. Grâce aux bienfaits de l'eau, les graines des Granéens poussaient et reverdissaient peu à peu le désert. Mais dans ce désert existait également une entité qu'on appelait le chaos. Le chaos s'immisçait dans l'âme des êtres vivants et les changeait en de violents monstres du chaos.
En ce monde rude qu'est le désert, les Granéens vivaient dans la crainte du chaos. Un jour, un Granéen portant en lui la graine d'un grand arbre se dressa contre le chaos pour protéger les habitants du désert. Il s'unit avec un génie de l'eau pour créer une oasis surmontée d'un arc-en-ciel. La douce lumière de l'arc-en-ciel repoussa le chaos, sauvant ainsi de nombreuses personnes. Par la suite, ceux que l'on appelait enfants du grand arbre, car ils ont porté les graines, établiraient de par le monde de nombreuses oasis. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, les Granéens vivent heureux en profitant des bienfaits des oasis. Ok. Salut Granit, tu as l'air en pleine forme, ça fait plaisir à voir. Alors, tu es prêt à affronter une nouvelle journée en tant qu'assistant du chef? Je compte sur toi, frérot. Toi aussi, Granit, en tant qu'enfant du grand arbre, tu créeras un jour ta propre oasis. Tu dois t'y préparer en apprenant au mieux le dur travail de chef. Sur ce, j'ai un service à te demander. Ces derniers temps, du sable s'accumule dans le potager et rend la culture difficile. J'aimerais que tu utilises ton tourbillon pour nettoyer tout ça, s'il te plaît. Je compte sur toi. Eh bien, on va lui faire plaisir, hein, et on va aller nettoyer ça. Je ne sais plus par où c'est. Bonjour. Ce n'est pas le moment d'aller flâner dans l'allée principale, Granit. Il ne faut pas gêner les préparatifs du festival de demain. Un peu de patience. Ok, bon, j'ai pas le droit d'aller là déjà. Bah, je suppose que c'est par là, du coup. T'as complètement zappé ce jeu. Ah, je l'ai adoré, moi, ce jeu. Je l'avais fini aussi. Mais je m'étais bien éclaté dessus. D'ailleurs, petite anecdote, il était sorti le jour de mon anniversaire. La date précise. Ah, il y a des sacrés bugs hein, quand même. Faudra que je vois pour reconfigurer ça parce que c'est pas terrible. Quelle drôle de plante, elle n'inspire pas confiance, mieux vaut s'en débarrasser. Alors, comment que je fais mon compte moi? Ah, toujours comme ça, c'est tout. Granit, écarte-toi de cette plante. Oh là là. Comment une plante du chaos de cette taille a-t-elle pu pousser dans mon oasis? Ce n'est pas le moment de se poser des questions, il faut vite s'en débarrasser. Oh là là, cette puissance! Moi j'ai des tout petits tourbillons et lui il en a des gros. En voilà une qui ne nous embêtera plus. Les plantes du chaos, comme celles qu'on vient de voir, ont le terrible pouvoir de saper le moral des gens. Seul un puissant tourbillon peut en venir à bout. Un jour, tu seras chef, Granit, et ton tourbillon sera plus puissant.
À propos, merci pour les monticules de sable, tu as fait ça parfaitement bien. Tiens, voilà pour te remercier, achète-toi donc quelques bricoles à la foire demain. Ah, c'est gentil, ça dit donc. Vous avez reçu 100 aquagemmes. Je redécouvre, du coup, je me souviens plus non plus. Et maintenant, ça te dirait d'aller papoter dans l'entrée, dans l'allée principale? Va parler au gérant des boutifleurs et à tous les gens que tu croiseras, puis reviens me voir. Je compte sur toi. Les fameuses boutifleurs, donc. Ça, je m'en souviens des boutifleurs. Je veux pas tourner la caméra. Ça m'embête. C'est pas grave. Bon. Par là, du coup, je suppose. J'ai cru qu'il m'avait planté le jeu, mais non, ça va. Alors, il y a plein de gens à qui parler. Bonjour les gens. Merde. Je me trompe de bouton. La source au cœur de l'oasis abrite un génie protecteur. J'aimerais bien pouvoir le rencontrer, mais seul le chef de l'oasis a ce privilège. Ah là là. Et toi, qu'est-ce que t'as à me dire? Vous, les Granéens, vous êtes vraiment de drôles de types, hein. Tout le monde ne peut pas créer des oasis comme ça. Nous, par exemple, on peut pas. Du coup, on vous envie un peu. Normal, hein. Il est un peu nul, ce dialogue, quand même, hein. Alors, attends. Il y a des livres là-dedans. Bonjour. Alors, ils vont. Des guides de cuisine, des livres de botanique et des livres d'histoire. Le chef m'a apporté des matériaux hier, alors j'ai plein de choses en stock. Il prend vraiment soin de nous, on ne pourra jamais assez le remercier. Ok, au revoir. Bien, au revoir, très cher. Je vais reconfigurer les joysticks après. Je me suis gouré. Tiens, Granit, tu as fini l'entraînement pour aujourd'hui? Tu es un enfant du grand arbre. Tu as le pouvoir de fonder une oasis. Un jour, tu deviendras comme ton frère, même si, hihihi, pour l'instant, j'ai un peu de mal à t'imaginer chef d'oasis. Elle est sympa, celle-là, dis donc. Alors, elle vend du coup des capes. Mais apparemment, on peut rien acheter pour le moment. On peut juste leur parler. Eh ben, on va parler, hein. Des flûtes. Ah, bonjour. Et donc, elle vend des sifflets. La foire commence demain. J'ai hâte. J'ai fait tout un stock de marchandises en prévision de l'événement. Ok. Bon, elle est plus sympa que l'autre là déjà. Et du coup, sans les oasis, on ne pourrait pas se protéger du chaos qui règne sur le désert. À propos, tu crois que c'est quoi le chaos? On dit qu'il s'insinue dans les tréfonds de l'âme. Brr, ça me donne les chocottes. Ok, bah, je sais pas si j'ai parlé à tout le monde. Il y a peut-être. Ah non, par là ça continue encore. Bonjour. Yo Granit, t'as déjà plié l'entraînement du jour. Tiens, pendant que j'y suis, prends ça, c'est cadeau. J'ai synthétisé ça hier. Vous avez reçu deux remèdes. Ok. Bonjour. Samsa. Ah là là, en venant ici, je me suis fait attaquer par des monstres du chaos. On risque vraiment sa peau dans le désert. Si je n'avais pas trouvé cette oasis, je n'ose même pas imaginer comment cela aurait pu se terminer. Le pauvre. Bon, alors, des boissons, du coup. Ils vendent du jus de cactus, du cidre aux fruits et du jus multifruits. Comme la foire commence demain, beaucoup de manchouettes sont déjà arrivées dans l'oasis. Ce sont des créatures toutes petites, mais elles achètent toujours plein de choses.
si, j'ai déjà fait par là. Du coup, des donuts. Qui n'aime pas les donuts? Donuts au sucre, donuts croustillants, donuts riches. Bonjour. Bonjour. Ton grand frère, c'est vraiment quelqu'un. Construire une si belle oasis dans un désert comme ça, ce n'est pas rien. Si tu fais ce qu'il faut, tu deviendras un chef d'oasis aussi doué que lui, Granit. Ok. On a parlé avec tout le monde. Allez le dire à votre frère. Bon, écoute, on retourne sur nos pas du coup. Parfait. Est-ce que tout le monde allait bien dans l'allée principale? Ah bon, haha, tant mieux, rien ne me fait plus plaisir que de savoir les gens heureux. Regarde l'arc-en-ciel au-dessus du grand arbre, Granit. Ah, c'est joli. L'éclat de cet arc-en-ciel protège l'oasis de l'effroyable puissance du chaos, et le bonheur des oasiens vient de renforcer cet éclat. Tu comprends ce que cela veut dire? C'est le bonheur de tous qui permet à une oasis de prospérer. Faire de nos oasis des lieux où chacun peut rire avec insouciance et offrir un refuge à ceux qui vivent dans le désert, telle est notre mission à nous, les enfants du grand arbre. Toi aussi, le jour viendra où tu partiras d'ici pour aller créer ta propre oasis. Tu le feras alors sans doute de nombreux alliés épatants. L'important est que tu rencontres des alliés de confiance et que vous vous souteniez mutuellement. Tu feras un meilleur chef d'oasis que moi, Garnit, j'en ai la certitude. Oula, qu'est pas ça? Cette secousse. Cette secousse. Ouh, c'est tout pas joli. Oulala. Là là. Qu'est-ce que c'était? Je vais voir dans l'allée principale. Il se passe des choses. Et je me suis encore trompé de joystick. Par là. L'allée principale, c'est par là. Oui, pardon. Qu'est-ce que... Ça marche, rentre bien, salut. Merci d'être passé. Granit. Sauve-toi, Granit, tu dois vivre et créer une nouvelle oasis. Ô céleste puissance du vent, portez l'espoir de l'avenir. Ouh là là. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Je me suis changé en graine. Et je m'envole. D'accord. Ok. Ceci est une sauvegarde.
Et du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, c'est joli. C'est tout joli. Elle est trop choupie. Ah, le chaos a englouti la dernière des oasis. Tiens, bonjour, petit scarabée. Toi non plus, tu n'as plus personne. Ah bon? Comme moi alors. Une lointaine oasis s'est fait engloutir par le chaos récemment. Cette fois, je suis la dernière. Il n'y a plus d'autre génie de l'eau dans le désert. Qu'allons-nous faire, petit scarabée? Je ne peux pas créer une oasis toute seule. Ah. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, cette graine, c'est peut-être... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est joli. Ça brille, ça brille. Ah, c'est moi. Eh, je suis revenu. Ah ah, je ne m'étais pas trompé. C'est un granéant. Tu peux me voir. Si tu peux me voir, ça veut dire que tu es un enfant du grand arbre. Oh, mais je ne t'ai même pas dit bonjour. Je me présente, Esna, génie de l'eau. Et toi, quel est ton nom? Granit, c'est tout à fait charmant. Dis-moi, Granit, pourquoi étais-tu transformé en graine? Ah bon? Tu étais dans cette oasis que le chaos a englouti récemment. Voir ses proches se faire attaquer, un endroit que l'on aime se faire détruire, quelle souffrance! Maintenant que cette oasis a disparu, je suis la dernière des génies de l'eau, la seule. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vois, ton frère t'a demandé de créer une nouvelle oasis. J'imagine qu'en mémoire de ton frère, tu veux faire de ton mieux, non? Eh bien, tu sais, moi aussi je veux créer une oasis. Je veux fonder une oasis qui résistera au chaos et ne disparaîtra jamais. Une oasis dans laquelle les gens du monde entier pourront vivre en paix, le sourire aux lèvres. Tous les deux, Granit, je crois qu'on peut y arriver. Qu'est-ce que tu en penses? Merci. Abri. C'est joli. Oh là là. Il y a tout plein de belles plantes.
là. C'est beau. Petit arc-en-ciel. On a réussi, on a créé une oasis. Maintenant, tâchons d'en faire un petit coin de paradis. Je rêve d'un endroit animé qui attire tout un tas de voyageurs. Mais allons visiter notre nouvelle oasis sans plus tarder. Alors, je vais peut-être en profiter pour refaire les contrôles correctement. Parce que là, ça ne me va pas. Voilà. Et du coup, je refais juste les contrôles de ma manette. Ok. Là, c'est bon. Ok. Waouh, c'est adorable. Et par là-bas, c'est comment? J'aimerais aller voir, mais les génies de l'eau ne peuvent pas quitter leur source. Ah, c'est trop dommage. J'ai une idée. Petit scarabée, accepterais-tu de suivre Granit à ma place? J'ai concentré mon pouvoir dans une bille d'eau que j'ai confiée à ce scarabée. Tout ce que tu vois et entends, je peux le voir et l'entendre aussi grâce à cette bille. Je ne peux pas voyager avec toi, mais je veillerai sur toi depuis cette source. Et maintenant, allons explorer notre oasis. Ok. Ma, qu'est-ce que c'est encore? Ah, il y a un Jean qui nous rend visite. L'Irisha. Nouveau. Je n'en crois pas mes yeux. Il y a une oasis dans ce désert. Information sur les visiteurs. L'Irisha en visite. Cette jeune fille pleine de bonne humeur est arrivée dès la création de votre oasis. Vous avez obtenu des informations sur l'Irisha. Liste d'alliés. Elle donne des informations sur vos alliés ou sur les visiteurs comme leur pouvoir spécial ou ce qu'ils aiment. Si vous entendez parler d'un inconnu, une rumeur y sera consignée. Ok. Bah, écoute, salut l'Irisha du coup. Ah, on dirait qu'on a déjà de la visite. Va vite voir. On va être poli et on va aller lui dire bonjour à la demoiselle. Ah, ah. Hop. Un peu de nettoyage à faire aussi apparemment. Ah, je vise mal. Je vise mal. Je vise toujours très mal. Bonjour. Hop. Voilà. Alors, bonjour, bonjour. Oh, tu es le chef de cette oasis, enchanté Granit. Moi, c'est l'Irisha. Dire que je pensais qu'il n'y avait plus d'oasis nulle part. Cela dit, il n'y a aucune boutifleur et je ne vois pas d'habitants non plus.
Ah, je vois, cet oasis vient d'être créé. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'habitants. Il te faudrait plus d'alliés. Les alliés, ce sont les gens qui s'installent dans ton oasis pour t'aider à te développer. Les Granéens qui deviennent tes alliés peuvent planter des magasins qu'on appelle boutifleurs. Il y a beaucoup de voyageurs qui ne demandent qu'à faire du shopping dans les boutifleurs des oasis. Moi-même, j'aimerais beaucoup ouvrir ma propre boutifleur, mais pour cela, il me faudrait des marchandises. Ce serait bien si j'avais des roseilles, par exemple. Alors, la requête de l'Irisha. Chose à faire. Les actions à réaliser pour progresser dans l'histoire sont notées en rouge. Les requêtes des gens qui ont besoin d'aide sont notées en bleu. En dehors des événements liés au scénario, vous ne pouvez vous occuper que d'une requête à la fois. Placez un marqueur bleu avec A pour prendre en charge une requête. Vous pouvez à tout moment consulter la liste de choses à faire en touchant Affaires. Vous ne pouvez prendre en charge une requête que dans l'oasis. Pensez à le faire avant de partir à l'aventure. Ok, donc on va marquer sa requête. Voilà. Vous avez décidé de vous occuper de ce dont vous a parlé l'Irisha. Si un voyageur se plaît dans votre oasis, il s'y installera et deviendra votre allié. Vos alliés granéens peuvent faire pousser des boutifleurs dans l'oasis. Ils y vendent alors toutes sortes d'articles, ce qui permet d'attirer davantage de voyageurs. Coucou Granit, c'est moi. Ici, comme ça on peut discuter même quand on n'est pas ensemble. Mais dis-moi, je suis tellement contente qu'une voyageuse nous fasse déjà l'honneur d'une visite. Pour en attirer encore plus, il faut planter plein de boutifleurs. Il faudrait que l'Irisha accepte de devenir notre alliée et qu'elle plante une boutifleur. Elle a dit qu'elle avait besoin de roseilles, il y en a peut-être dans l'oasis. Ok, donc suivons la flèche qui apparemment sait où il y en a. Ça m'a l'air d'être un jardin. Ah, du coup, ce serait ça, les roseilles. Utilisez le tourbillon sur un arbre portant des fruits pour les cueillir. Les arbres donnent des fruits tous les jours. Fantastique, des roseilles, apporte-les à l'Irisha. Ok, donc il est content parce que j'ai réussi l'objectif. Et je sors. Et je lui donne ses roseilles. Que puis-je faire pour toi, Granite? Voulez-vous donner les roseilles? Bah oui, évidemment. Oh, des roseilles! Tu es allé les chercher pour moi? C'est trop gentil, merci. Vous avez reçu quelque chose en remerciement, fruit guérisseur. Ok. Et donc là, on a réussi sa requête. Hihi, tu es tellement gentil, Granite. Et elle est contente, elle est heureuse. Avec un chef comme toi à sa tête, je suis sûre que cette oasis a un grand avenir devant elle. Bon, elle exagère peut-être un peu, hein. Je vais juste ramener des fruits, mais bon. D'ailleurs, c'est décidé, je vais m'installer ici pour de bon. Ok, votre population s'agrandit. L'Irisha a décidé de s'installer dans l'oasis. Vous pouvez maintenant faire pousser une boutifleur vendant des fruits. Ok. Et donc là, on est passé à un allié. Génial, on a une nouvelle alliée. Va vite aider l'Irisha à planter sa boutifleur.
Alors, touchez boutifleur sur l'écran. Pour accéder à l'écran de disposition des boutifleurs, vous pourrez faire pousser des boutifleurs. La question c'est, je fais comment? À l'écran des boutifleurs, vous pouvez bâtir les boutifleurs des granéens alliés. Vous dépensez des aquagemmes la première fois que vous bâtissez chaque boutifleur. Choisissez un emplacement avec le joystick, affichez la liste de ce que vous pouvez placer, sélectionnez la boutifleur de l'Irisha et essayons de la faire pousser. Ok. Donc en gros, je la mets sur la case que je veux, sachant que pour l'instant l'espace il est restreint et que elle prend, ben, je ne sais pas combien d'emplacements elle prend en fait. Ok, elle prend 4 cases, donc je vais la mettre là. Donc ça coûte 100 aquagemmes, oui. Et donc là, en gros, elle plante sa boutifleur. Et les aquagemmes vont faire pousser la boutifleur. Voilà. Boutifleur ouverte. Et donc, grâce à sa boutifleur, on va pouvoir acheter des fruits. Super, ma boutifleur est prête. Je n'ai plus qu'à vendre mes fruits maintenant. Donc, voilà, on sort du menu. Je n'avais jamais vu de boutifleur avant, tu sais. C'est tout mignon. J'espère qu'on pourra en planter plein d'autres. Ben, j'espère aussi. Oh, il fait déjà complètement nuit. Si tu allais te reposer, il y a un arbre creux à côté de mon sanctuaire qui a l'air bien confortable. Ok, et ben on va suivre la flèche comme d'hab. Tac. Et donc l'arbre creux, donc ça c'est le sanctuaire du génie. Et là, on a notre chez nous. C'est tout mignon à l'intérieur de cet arbre. Et si tu en faisais ta cabane? Lorsque tu as du temps libre, tu peux venir souffler ici. En appuyant sur A devant votre hamac dans votre cabane, vous pouvez sauvegarder votre partie. Vous pouvez aussi dormir jusqu'au lendemain matin. Là, il y a un coffre pour se changer, apparemment. Mais pour l'instant, j'ai pas plus d'équipement que ça. Donc là, on voit qu'on a une épée bourgeon qui fait 7 en attaque. On n'a pas de bagues, d'amulettes, machin. Et on a une tenue qui nous donne rien de plus, en fait, hein, visiblement. C'est juste une tenue. Là. Et je vais juste monter pour voir. Donc là, l'eau qui jaillit ici est belle et claire. On n'en saura pas plus pour le moment, donc on va juste. On va pioncer quoi. Hop. On dort. Tu crois que c'est quoi le chaos? On dit qu'il s'insinue dans les tréfonds de l'âme. Brr, ça donne les chocottes. Les enfants du grand arbre peuvent créer des oasis. Toi aussi, un jour, tu seras comme ton frère.
Granit, l'important est que tu rencontres des alliés de confiance et que vous vous souteniez mutuellement. Un jour, tu feras un meilleur chef d'oasis que moi, j'en ai la certitude. Nouvelle visite, du coup. Là, on a trois personnes qui arrivent d'un coup. Pimaï, nouveau. Phew, je suis sauvé. J'ignorais qu'il y avait une oasis par ici. Ok, donc Pimaï est en visite. Ce jeune granéen un peu frêle semble chercher des fruits. Donc là, maintenant qu'on a une boutifleur qui vend des fruits, il va pouvoir en acheter en gros. Et les deux autres ont l'air d'être là pour faire du tourisme. Le matin, il arrive que des voyageurs et des manchouettes viennent dans l'oasis. Donc les manchouettes, du coup, c'est les espèces de petits piafs là qui ressemblent à des petites chouettes. Si l'oasis plaît à un voyageur, il deviendra votre allié. Les manchouettes achètent beaucoup de choses dans les boutifleurs, mais elles ne deviennent jamais des alliés de l'oasis. Ouais, en gros, les manchouettes, c'est vraiment du tourisme. Elles viennent là, elles achètent et elles repartent. On va juste sauvegarder. Hop. Et on sort. Dans l'oasis, touchez changer de lieu sur l'écran tactile pour vous rendre dans votre cabane en un instant. Ouais, ok, pratique à savoir. Et donc là, on va aller directement voir un peu ce qui se passe dans l'allée. Donc là, la manchouette vient, elle achète. Et elle s'en va. Ah, il n'y a plus de fruits, ok. Et du coup, le fameux Pimaï ne peut rien acheter. Donc, je suppose qu'on va nous demander d'aller réapprovisionner la boutique. Oh, tu es le chef de cette oasis. Je m'appelle Pimaï. Je suis un fabricant de moulins en apprentissage. Cela faisait si longtemps que je parcourais le désert que j'étais à bout de force. Sans ton oasis, j'aurais fini complètement desséché. Heureusement que je l'ai trouvé. Mais comment dire? J'ai voulu acheter des fruits dans cette boutifleur et le dernier s'est vendu sous mes yeux. Moi qui voulais manger des fruits, comme c'est dommage. Donc. Ok. Oh, bonjour Granite. Tout à l'heure, quelqu'un est venu m'acheter des fruits. Mais j'avais servi plein de manchouettes avant lui et il ne me restait plus rien. Je me sens coupable. Tu crois que tu pourrais m'apporter à nouveau des roseilles? Comme ça, quand il reviendra, j'aurai quelque chose à lui vendre. Ok, donc là, on est un peu en mission service. Là, on va devoir aller lui rechercher des fruits. Ok. Voilà. J'imagine que c'est censé lui suffire, vu que de toute façon, on n'en a pas d'autres. Donc là, je lui livre. Les trois que j'ai trouvés. Et on voit que son stock est revenu dans le vert. Ouf, c'était juste, je n'avais plus rien à vendre et je ne savais plus quoi faire. Donc là, elle est contente du coup. Donc, lorsqu'une boutifleur reçoit une livraison ou vend des articles, sa jauge de rang augmente.
Quand elle est pleine, le gérant fait une requête qui permettra au rang de la boutifleur d'augmenter. Ouais, donc là, on voit qu'il y a 3 étoiles et elle en a une seule, donc il y a 3 niveaux pour sa boutifleur. Je compte sur toi pour dire partout que les fruits de ma boutifleur sont les meilleurs du monde. Ok. Voilà. Ah, le panneau de rupture de stock a été retiré. Peut-être que de nouveaux fruits ont été livrés. Et donc voilà, il a pu s'acheter son fruit. Hop. C'est tellement bon les fruits, ça va déjà mieux. Je sens que tant qu'il y aura une boutifleur de fruits ici, j'arriverai à rester motivé. Donc là, on a rempli son bonheur du coup. Dis, est-ce que ça te dérangerait que je m'installe dans ton oasis? Ah bah non, absolument pas du coup. Et votre population s'agrandit. Pimaï a décidé de s'installer dans l'oasis. Vous pouvez maintenant faire pousser une boutifleur qui vend des moulins. Ok. Pimaï a décidé de s'allier avec nous. C'est génial. C'est peut-être pour ça que tout brille autour de moi. Tu peux venir me voir s'il te plaît, Granit. Ok, donc on va aller la voir. Bonjour Granit. Regarde Granit, l'eau scintille. Notre alliance s'est enrichie d'un nouveau membre, et l'accumulation du bonheur des uns et des autres a rempli l'oasis de force. Si on transmet cette force à l'arc-en-ciel, je crois que l'oasis gagnera en puissance. On essaie. Ils sont trop mignons tous les deux. L'oasis a gagné un niveau. Ok. Alors, niveau supérieur, donc on est passé de 1 à 2 et actuellement on a 2 alliés. L'allée principale s'est agrandie, vous pouvez y placer 2 boutifleurs supplémentaires. Ok. Waouh, l'oasis s'est agrandie, la force de notre alliance est vraiment prodigieuse. Avec une oasis encore plus grande, on pourrait accueillir encore plus de gens et les protéger du chaos. Granit, essayons de réunir encore plus d'alliés. Ah bah écoute, carrément. Niveau de l'oasis. Plus vos alliés sont nombreux, plus le niveau de l'oasis augmente. En fonction de ce niveau, les zones de l'oasis s'agrandissent et vous gagnez de nouveaux pouvoirs. Ok. Et ben on sort du coup. Dis Granit, si on discutait un peu tous les deux, on n'a pas arrêté depuis qu'on s'est lancé dans la création de cette oasis. Ça me ferait du bien de bavarder tranquillement avec toi, Granit. De quoi est-ce qu'on pourrait bien parler? Ah, j'ai trouvé. Tu sais qu'autrefois ce désert était entièrement recouvert de végétation? Je n'ai pas vu ça de mes propres yeux, mais il y avait plein d'oasis à l'époque et plein de génies de l'eau. Il paraît que le monde n'était que verdure et que des fleurs poussaient un peu partout. Difficile à croire quand on voit le désert que c'est devenu, hein. Et puis, le chaos a fait son apparition. Les oasis ont disparu les unes après les autres. Et la végétation s'est raréfiée. Quand je pense à tous ces voyageurs qui parcourent le monde dans la crainte du chaos, je trouve ça tellement triste.
Alors j'ai eu une idée. Promets-moi de ne pas rigoler, Granit, d'accord? Alors voilà, cette oasis, je voudrais qu'on l'agrandisse. Qu'on l'agrandisse tant et si bien qu'elle surpasse le chaos et qu'un jour, elle enveloppe le monde entier de sa verdure. Alors tous ces gens qui sont sur les routes pourront vivre heureux, sans plus se sentir menacés par le chaos. C'est peut-être un peu fou comme rêve. Hihi, tu es trop gentil, Granit, merci. Je n'ai vu personne pendant si longtemps dans cette source. J'étais seule, toute seule avec mes angoisses. Je me demandais ce que je deviendrais si le destin avait décidé de ne jamais mettre d'enfant du grand arbre sur mon chemin. Et alors que je me morfondais, je t'ai rencontré, Granit. J'étais tellement contente. Ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je sais que tu es quelqu'un de bien. Tu es toujours si attentif aux autres, si attentionné. Je crois qu'avec toi, Granit, je pourrais réaliser mon rêve, même s'il est un peu fou. Cette oasis est encore petite, mais je sais qu'on ne va pas ménager nos efforts. Ah, désolé, je parle beaucoup trop. On doit se lever tôt demain, si on allait se coucher. Reviens me voir ici de temps en temps pour discuter, d'accord? Tu me le promets, hein? Mais oui, Bichette. On va pas te laisser toute seule. Hop. Bon. Eh ben, on va sauvegarder. Hop. Et du coup, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Merci d'être venu me voir, passer une bonne soirée et